So today's webinar will be in French. I will switch to French from now. So, bon, c'est Badr Benjelloun. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle conférence de la série de webinaires de l'INRA dédiée à la discussion de tendances et innovations en agriculture. Je souhaite la bienvenue à tous les participants des différents pays pour prendre le temps de participer à ce webinaire. Et probablement aussi d'enrichir le débat par leurs questions et commentaires. Ensuite, je remercie vivement notre conférencière, Dr. Fatema Hammi, pour avoir accepté notre invitation d'animer ce webinaire et de partager ses connaissances intéressantes avec nous autour de cette thématique que je vais présenter tout à l'heure. J'aurai le plaisir d'introduire Dr. Hammi moi-même. Donc, Dr. Hammi a initialement poursuivi ses études post-bac à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, option technologie agroalimentaire qu'elle a été forcée d'abandonner en fin de troisième année suite à des soucis de santé. Elle a ensuite obtenu le diplôme de technicien supérieur en microbiologie alimentaire qu'elle trouvait trop étroit pour ses capacités. Elle a donc rejoint l'École des sciences de l'information, l'ESI à Rabat, où elle a obtenu le diplôme d'informatiste en 1990. Elle a ensuite intégré l'INRA en 1991, où elle était en fonction à la direction de l'INRA pendant 21 ans. Elle a poursuivi, en parallèle, a poursuivi ses études de master à l'ESI. À l'issue de ses études, elle a obtenu le diplôme d'informatiste spécialisé en management des systèmes d'information de gestion en l'an 2000. Le mémoire de fin d'études avait porté à l'époque sur l'analyse et la conception d'un système d'information de gestion des activités de recherche en cours à l'INRA. En parallèle, elle a exercé en tant qu'enseignante vacataire à l'ESI de 2005 à 2011 de deux cours principaux. Le premier, c'est les sources d'information en sciences et techniques. Et le deuxième, c'est les classifications documentaires, respectivement pour les classes de troisième et deuxième année du cycle des informatistes. Elle a rejoint la division scientifique de l'INRA en 2012, puis elle a été chargée de la gestion du service de la coopération à partir de 2013. Durant l'exercice de ses fonctions au sein du dit service, elle a relevé un certain nombre de lacunes, d'où elle a eu l'idée de traiter l'un des aspects dans le cadre de sa thèse de doctorat. Cet aspect, je vais en parler tout à l'heure, la formation doctorale à distance qu'elle a commencé en session de printemps 2014 à l'International University of Leadership aux États-Unis. Elle a été contrainte à cause d'un surmenage d'observer une année blanche en 2018 et puis elle a remonté encore une fois la pente. Elle a soutenu sa thèse et a obtenu le diplôme de docteur en gestion des affaires, option management général en septembre 2021. Et du coup, comme vous l'avez compris, peut-être, aujourd'hui, elle va nous parler des résultats de sa thèse de doctorat qui ont été d'une extrême utilité pour la gestion de la recherche agronomique. Donc, elle va nous parler de le travail. Elle s'intitule, la gestion de la coopération dans la recherche agronomique en général. Et on a trouvé que ce thème, vraiment, il représente une extrême utilité dans la gestion des travaux de recherche, dans l'exercice du management de la recherche agronomique. C'est utile pour tous les gens qui opèrent dans cet aspect. Donc, avant de donner la parole à Dr. Hammi, j'aimerais mentionner que la conférence durera 40 minutes et que nous aurons ensuite une discussion qui durera jusqu'à 50 minutes. Pour la discussion, veuillez poster vos questions écrites via le chat sur Zoom. Veuillez indiquer votre nom et votre affiliation avant la question pour qu'on vous reconnaisse. Et n'attendez pas jusqu'à la fin de la conférence pour les poser. Vous pouvez les poser dans la langue que vous préférez. Nous sommes impatients de vous écouter, Dr. Hammi, et d'en savoir plus sur cette thématique passionnante, intéressante. Merci. La parole est à vous, Dr. Hammi. Merci.
Bonjour, docteur Benjelloun. Je vous remercie d'abord pour avoir accepté d'organiser ce séminaire sur le thème relatif à ma thèse de doctorat. Je vous remercie également pour votre sympathique introduction. Comme je remercie les participants et participantes qui ont bien voulu se joindre à ce webinaire. Le thème de ce webinaire porte sur l'évaluation de la coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique. Sibin Jelloun, est-ce que c'est possible d'éliminer l'écran parce que le plein écran, je n'arrive pas à voir tout le texte. Vous devez juste, en fait, c'est vous qui mettez le plein écran, je pense, mais vous pouvez le réduire dans Oui. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà, j'ai vous une vraie l'avez fait. fracture. J'ai une Okay. vraie fracture numérique, donc voilà. C'est bon? Alors, c'est bon. Alors, au départ, déjà, il s'agit d'un travail de recherche mené dans le cadre d'une thèse de doctorat suivie en e-learning à l'International University of Leadership sous la direction du professeur Mohamed Snoussi, PES de droit international et président du Conseil marocain des affaires étrangères. Quand on a commencé ce travail de recherche, on était très ambitieux parce qu'au démarrage, le champ d'investigation prévu englobait les quatre institutions du système national de la formation et de la recherche, à savoir les trois institutions des trois écoles d'ingénieurs, IAV Hassan II, ENA et ENFI, en plus de l'INRA. Mais face à l'absence de feedback de par les populations cibles lors des investigations sur le terrain au début, j'ai dû revoir à la baisse le champ d'investigation en réajustant le sujet de recherche et en l'adaptant au seul contexte de l'INRA. Alors, ma communication va s'articuler autour de trois points. Le premier point va concerner un bref aperçu des défis à l'échelle mondiale auxquels est confrontée la recherche Docteur agronomique. Kami, Le deuxième, excusez-moi, oui. vous pouvez mettre passer au système diaporama, s'il vous plaît. Je On suis voit toujours déjà. la première slide. Pense que je suis. Je vais recommencer. Je. Non, ouais, ok. C'est OK. Vous mettez le plein écran, s'il vous plaît. C'est fait parce que pour moi, ça paraît comme. Peut-être le partage qu'on a vu hier, en fait. Il faut partager en choisissant la première fenêtre. Voilà. C'est là. Vous mettez le diaporama? C'est fait? Non. On voit l'écran noir. Vous pouvez mettre le diaporama pour voir. Voilà. En mode diaporama. J'ai Non. déjà fait le diaporama. Non, ça ne marche pas. On voit toujours la fenêtre PowerPoint.
Sinon, allez-y, vous. Sinon, allez-y. Merci, c'est bon, Madame Hamid, c'est bon. Bon, je m'excuse pour ce contretemps. Pas de problème. Donc, je disais que le plan de la communication s'articule autour de 7 points. Le premier point va donner d'une manière très brève les défis à l'échelle mondiale que confronte la recherche agronomique. Dans le deuxième point, je vais présenter le contexte de la recherche au niveau national et international en vue de mettre la thématique de recherche par rapport, de situer la thématique de recherche par rapport à ce contexte national et international. Une présentation détaillée de la thématique de recherche va faire l'objet du troisième point. Le quatrième point va traiter de l'approche méthodologique adoptée pour traiter cette thématique de recherche. Et pour le cinquième et sixième point, je vais passer directement à la présentation des résultats de l'application, respectivement de l'application des méthodes de bibliométrie et du traitement automatique de langage naturel à la coopération scientifique et technique dans le cadre de l'étude du cas. Et pour le sixième point, l'application de l'évaluation ex post de la performance de la coopération scientifique de l'INRA à travers les indicateurs communément utilisés par l'OCDE et par la même occasion par le FIDA qui traite d'un domaine de compétences proche de l'INRA. Et enfin, une conclusion générale de la thématique. Alors, pour ce qui est des défis que confronte l'INRA au niveau international, la recherche agronomique dans le monde a connu deux grandes périodes d'évolution. D'abord, avant 2015, il y a eu une institutionnalisation mondiale accrue et sans précédent de la coopération scientifique dans le domaine des sciences agronomiques, accentuée par la mise en place d'un système d'évaluation de ses résultats, notamment après les crises des années 1970, axée sur les rapports coût-profit, la compétitivité économique et militaire, et la dimension politique de la coopération scientifique et technique à partir du moment où les États se sont mis à s'intéresser à la recherche scientifique, notamment dans le domaine agricole. Cette institutionnalisation a été encore plus accrue après 2015 par l'adoption du programme de développement durable 2030, notamment ses objectifs de développement durable et en ce qui concerne l'agriculture, les objectifs 1 et 2. La signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et par la suite de l'accord de Paris, auquel les États membres devraient se conformer. Ainsi, les problématiques globales sont devenues les opérations prioritaires de la coopération scientifique et technique et sont axées principalement sur les questions environnementales et agronomiques. À travers ce contexte, l'INRA, qui est régi comme étant l'Institut de recherche, l'entité chargée de la recherche scientifique, technique et économique dans le domaine de la recherche agronomique, dans le domaine agronomique agricole, se trouve confrontée à un contexte difficile et incertain. De là, l'idée d'évaluer comment elle va gérer sa coopération scientifique et technique pour faire face à ces défis. Et par là, on a poser trois principales questions. Est-ce que la coopération scientifique et technique menée par l'INRA permet de faire face aux défis mondiaux auxquels elle est confrontée? Et comment l'INRA va se positionner dans ses relations de coopération scientifique eu égard à ses engagements avec l'État et les acteurs nationaux? Et par là, une question centrale, la coopération scientifique menée par l'INRA profite-t-elle au programme de recherche institutionnelle de l'INRA et par là même au développement de l'agriculture et de l'élevage nationaux? Étant donné que sa participation est cruciale dans cet aspect. Alors, on ne peut parler de défis sans développer les contextes politiques et économiques dans lesquels la thématique est située. D'abord, au niveau national, on assiste à la constitution de réseaux internationaux de recherche dans le but de résoudre les problèmes et de trouver des solutions communes aux défis globaux.
Un autre facteur, c'est l'ouverture des pays développés à la coopération scientifique et technique, ciblant principalement les pays émergents de l'Asie et notamment de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. Les pays africains paraissent moins intéressants. La poursuite des objectifs de puissance et de domination par les grands États. On assiste également à une plus grande libéralisation de la science par l'implication des grandes firmes multinationales et des grandes fondations. Et enfin, par l'instauration d'alliances thématiques mondiales de recherche. Alors, l'effet d'entraînement au niveau national a été réalisé à travers un certain nombre d'actions, notamment la définition d'un cadre de coopération pour saisir les opportunités offertes par la coopération internationale, ce qui est présenté et inscrit dans la stratégie nationale de développement durable 2016-2030. Le renforcement de la coopération technique sud-sud, levier de la stratégie de coopération marocaine et du rôle du Maroc dans le développement des filières vertes au niveau du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. L'approfondissement des relations de coopération scientifique avec les pays du nord de la Méditerranée et plus largement les pays européens et le renforcement de la diplomatie environnementale du Maroc sur la scène internationale. Ces deux orientations sont inscrites dans la stratégie nationale de développement de la recherche scientifique 2025. Pour ce qui est du contexte institutionnel, pour mettre en œuvre ces politiques citées précédemment, au niveau international, il y a eu la constitution d'instances qui vont orienter et gérer la recherche agronomique au niveau mondial. Citons par exemple le CGAR, qui est une organisation dédiée à la gestion mondiale de la recherche agronomique. La FAO, qui est chargée d'assurer la collaboration dans le domaine de dans la mise en œuvre du programme 2030, notamment les objectifs de développement durable et auparavant les objectifs du millénaire pour le développement. Elle est également à, à l'origine de l'initiative intergouvernementale relative au partenariat sur les sols. Le G20, quant à lui, agit dans le monde à travers trois instances, à savoir les réunions des scientifiques agricoles, l'initiative sur le blé et l'initiative de surveillance agricole mondiale. Pour ce qui est de l'OCDE, elle intervient à travers son programme de recherche en collaboration dédié principalement aux pays membres. Pour ce qui est de l'Union européenne, elle a construit son espace européen de recherche avec comme instance de financement le Conseil européen de la recherche. Et pour le Canada, elle intervient dans le monde à travers son centre de recherche pour le développement international. Alors qu'au niveau national, les instances dédiées à la mise en place de la stratégie nationale de la recherche et de la coopération scientifique résident dans le ministère de l'Enseignement supérieur de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le CNRST, l'Académie des sciences et techniques Hassan II, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche scientifique. La mise en œuvre de cette politique est assurée au niveau d'entités chargées de la recherche et de la coopération au niveau des départements techniques, mais on note une inexistence d'instances dédiées à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique, à l'image de ce qui existe déjà en France avec le CIRAD. Pour ce qui est de l'Agence marocaine de la coopération internationale, elle est chargée de la mise en œuvre de la stratégie marocaine de la coopération sud-sud dans le domaine technique, principalement le renforcement des capacités en Afrique. On assiste aussi au soutien de l'accès des scientifiques au réseau international de recherche par les pouvoirs publics et de leur participation au programme de recherche financé par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du processus d'intégration du Maroc dans l'espace européen de recherche. Ce contexte institutionnel a été accompagné par un arsenal juridique. D'abord, au niveau international, il y a un certain nombre de textes qui ont été érigés, notamment le traité international sur les ressources phytogénétiques destinées à l'alimentation et à l'agriculture, adopté en 2001 par la FAO. La Convention sur la diversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre en 1992, ainsi que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la lutte contre la désertification. La mise à niveau juridique au niveau national a été faite d'abord par la ratification et la signature de tous les traités et conventions internationaux relatifs au domaine de l'agriculture et domaine connexe. Et cette adhésion a été soutenue et affirmée dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Maroc qui donnent la primauté des textes et des traités et des conventions internationaux sur le droit interne. Le Maroc a également adopté deux lois dans le domaine. La première, c'est la loi sur la protection des obtentions végétales, ou loi 9-94, qui a permis au Maroc d'être au niveau des conditions institutionnelles, juridiques et administratives pour pouvoir adhérer à l'UPOV.
et la loi numéro 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles. Je passe maintenant à l'intitulé de la recherche, du thème de la recherche. Alors, vu la mise, c'est-à-dire la remise ou l'adaptation du sujet à l'Institut national de la recherche agronomique, la thématique adoptée est exactement intitulée comme suit. Évaluation ex post de la coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique à travers l'étude de cas de l'Institut national de la recherche agronomique du Maroc durant la période allant de 2008 à 2018. Cette thématique de recherche est composée de trois sous-thématiques de recherche. L'évaluation ex post de la performance de la coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique, dont la finalité est d'en apprécier la pertinence, la cohérence, l'effectivité, l'efficacité et l'efficience. Ce sont les critères de succès ou de réussite qui permettent d'estimer la performance de ce processus objet de l'évaluation. L'objet de ce processus à évaluer étant le domaine de la recherche agronomique, donc ces résultats obtenus sont matérialisés par les publications scientifiques co-signées par les partenaires impliqués dans le processus de coopération scientifique et technique. Et leur identification sera effectuée à travers l'analyse quantitative, la caractérisation et la cartographie des copublications scientifiques par les méthodes bibliométriques. L'analyse qualitative du contenu textuel des copublications scientifiques va permettre de compléter cette analyse quantitative. Elle va être réalisée par les moyens des techniques du traitement automatique du langage naturel. Alors, sur le plan du positionnement du travail de recherche, ce travail de recherche est positionné sur le plan épistémologique, selon le paradigme pragmatique qui s'appuie notamment sur les méthodes aussi bien quantitatives et qualitatives. Les méthodes quantitatives sont celles appliquées en bibliométrie pour analyser et mesurer les copublications scientifiques. Les méthodes qualitatives sont de deux types. Il s'agit d'abord de l'analyse du contenu textuel des publications scientifiques par les méthodes de technique automatique du langage naturel et ensuite la méthode d'évaluation de performance relevant des sciences de gestion. Sur le plan méthodologique, on a choisi ce type de recherche qui est la recherche exploratoire dont la méthode type adoptée est l'étude de cas consistant d'abord en une étude empirique approfondie d'un phénomène contemporain, à savoir la coopération scientifique et technique, dans une organisation qui est l'Institut national de la recherche agronomique du Maroc durant une période déterminée, à savoir 2008-2018. Alors, étant donné que l'option du doctorat est un doctorat professionnel, donc les études de doctorat, les thèmes sont plus des études de cas qui permettent de résoudre des problèmes au niveau professionnel. La problématique, elle est issue du vécu de l'Institut national de la recherche agronomique. Nous savons que l'INRA prépare toujours son programme de recherche institutionnelle en se basant sur les doléances des partenaires nationaux. Elle est validée par les pouvoirs publics à travers le conseil d'administration et financée par les pouvoirs publics. Malheureusement, les ressources nécessaires à la réalisation du PRI dépassent généralement les moyens octroyés par les pouvoirs publics et les compétences scientifiques nationales nécessaires à sa réalisation. D'où la nécessité du recours à d'autres acteurs dans le cadre de réseaux de coopération nationaux et internationaux. En découlera donc une partie du programme de recherche institutionnel qui devrait être réalisé dans le cadre de projets de recherche en coopération et dont les thèmes constituent un programme de recherche collaborative. La question centrale, la question de recherche centrale de cette problématique est déjà mentionnée au départ, c'est est-ce que la coopération scientifique menée par l'INRA profite au programme de recherche institutionnel sur lequel l'Institut s'est engagé avec le gouvernement dans le cadre de contrats de programme pluriannuel et par la même au développement de l'agriculture et de l'élevage nationaux. Alors, pour répondre et traiter ce sujet, quatre objectifs y ont été assignés. Le premier consiste à identifier et caractériser les publications co-signées par les chercheurs de l'INRA avec leurs homologues des institutions partenaires aussi bien nationales qu'internationales entre 2008 et 2018. Le deuxième objectif consiste à établir une cartographie de la coopération scientifique dans le domaine de la recherche agronomique par institution nationale, par institution des pays partenaires, par institution internationale et par thématique de recherche. Le troisième objectif consiste à analyser les thématiques traitées par les copublications et d'en ressortir l'importance accordée aux thématiques du PRI dans la coopération scientifique et technique. Enfin, le quatrième objectif consiste à évaluer la performance de la coopération scientifique et technique menée par l'INRA avec ses partenaires à travers l'appréciation des cinq critères de performance cités auparavant. La méthodologie de collecte de données choisie est réalisée en trois étapes.
La première étape, elle va traiter la thématique relative à l'application de la bibliométrie, c'est-à-dire la caractérisation de la coproduction scientifique. Elle va être réalisée à travers l'investigation par questionnaire portant sur la coproduction scientifique adressée aux chercheurs de l'INRA. Elle devrait répondre aux questions permettant d'atteindre les objectifs de recherche numéro 1 et 2. La deuxième étape va traiter de la thématique qualitative à travers l'investigation réalisée par le biais de la recherche des copublications dans les sources d'informations bibliographiques. Elle complète la première investigation puisque elle va consister à collecter les copublications autodéclarées par les chercheurs ayant répondu au questionnaire numéro 1. Elle va répondre aux questions de l'objectif numéro 3. Pour ce qui est de la troisième étape, elle est en relation avec la thématique de base qui est l'évaluation ex post. L'investigation a été faite par le biais de deux questionnaires adressés respectivement aux partenaires effectifs de l'INRA autodéclarés par les chercheurs et aux membres de ces instances de gouvernance et ou de leurs représentants. Elle devrait répondre aux questions de l'objectif de recherche numéro 4. Pour ce qui est de la méthode de recherche pour les trois sous-thématiques, pour ce qui est de l'analyse bibliométrique quantitative, le critère d'évaluation étant la copublication, le périmètre d'investigation, je suis dans la première colonne, le périmètre d'investigation institutionnel étant l'INRA Maroc en relation avec les institutions partenaires, le périmètre d'investigation scientifique étant la recherche agronomique. L'outil d'investigation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le questionnaire numéro 1 destiné aux chercheurs de l'INRA. La méthode d'analyse étant le dénombrement des copublications par la méthode du compte entier entre institutions ou compte de présence. Les outils d'analyse consistent en des indicateurs bibliométriques, dont 8 indicateurs de production scientifique et 7 indicateurs de collaboration scientifique. Les sources d'informations utilisées, c'est un corpus constitué à partir des réponses au questionnaire numéro 1 adressé aux chercheurs de l'INRA, et ce pour éviter les biais connus des sources d'informations bibliographiques connues telles que Science Citation Index ou bien le Scopus. Pour ce qui est de la population cible, il s'agit de 160 chercheurs de l'INRA en activité durant la période 2008-2018. Durant cette période, ces 189 chercheurs ont été identifiés à travers les rapports du conseil d'administration. Seulement 29 ne sont pas éligibles, soit parce qu'ils occupent des postes de responsabilité, soit qu'ils n'ont pas de publication qu'on peut exploiter. Pour les résultats attendus, ils sont de deux. D'abord, il va nous permettre de cerner la population cible du questionnaire numéro 2 et de calculer les indicateurs bibliométriques de la coopération scientifique et technique. Alors, pour la deuxième sous-thématique qui consiste en l'analyse qualitative des thématiques des copublications, le critère d'évaluation étant le corpus de données textuelles qui va être extrait des métadonnées des copublications de l'INRA avec ses partenaires nationaux et internationaux. Les outils d'investigation, ce sont des outils de technique du traitement automatique de langage naturel qui sont basés sur le langage de programmation Python, principalement Selenium pour accéder aux copublications et Beautiful Soup pour récupérer les métadonnées. La méthode d'analyse utilisée est constituée de deux étapes. La première étape, il s'agit de construire trois corpus de données textuelles extraites d'abord des métadonnées des copublications à partir des sources d'informations bibliographiques choisies. Ensuite, les réponses des questionnaires, aux questionnaires adressés aux chercheurs et par la suite des documents institutionnels de l'INRA, notamment les documents des projets de recherche de 2008 à 2018, les rapports d'activité scientifique des chercheurs et les rapports d'auto-évaluation. En deuxième étape, après la constitution des trois corpus, on va procéder à la comparaison des thématiques des trois corpus. Alors, pour ce qui est de l'outil d'analyse, c'est Natural Language Toolkit. C'est un outil d'analyse de TAN réalisé par l'Université de Stanford. Pour les sources d'information, j'ai toujours opté pour des sources d'information concrètes, c'est-à-dire sur le terrain. Il s'agit des réponses au questionnaire numéro 1, les copublications identifiées dans les sources d'information bibliographiques et les documents institutionnels de l'INRA. La population cible ici, ce sont des publications, à savoir les 1070 copublications sans duplique. Pour les résultats attendus, il s'agit de déterminer l'importance accordée aux thématiques du PRI dans les projets de coopération et d'identifier les thématiques prioritaires ou bien prédominantes. Pour ce qui est de la troisième sous-thématique,
Les critères d'évaluation sont au nombre de cinq. Les cinq critères de succès de l'évaluation ex post de performance. Pour ce qui est du périmètre d'investigation, il s'agit des partenaires effectifs identifiés, autodéclarés par les chercheurs dans le questionnaire numéro 1 et les membres des instances de gouvernance et ou leurs représentants, à savoir les deux instances, conseil d'administration et comité technique. Pour l'outil d'analyse, il s'agit de deux questionnaires, l'un destiné aux chercheurs aux partenaires de l'INRA et le troisième destiné aux membres des instances de gouvernance et à leurs représentants. La méthode d'analyse utilisée, c'est la méthode d'analyse adoptée par le FIDA. Je rappelle ici que les critères utilisés sont des critères élaborés par l'OCDE pour l'évaluation de la coopération au niveau de l'OCDE avec les pays de l'OCDE et les pays du tiers-monde. Et le FIDA a adopté les mêmes critères et a élaboré un guide pour l'interprétation des critères de performance. C'est ce guide qui a été utilisé dans le cadre de ce travail de recherche. Les sources d'information, comme déjà indiqué, ce sont les réponses aux questionnaires 1, 2 et 3. La population cible pour les partenaires, on a identifié 204 partenaires, principalement premiers auteurs et co-auteurs. Pour le questionnaire 3, 90 participants aux réunions du conseil d'administration et du comité technique tenues entre 2008 et 2018. Et pour les résultats attendus, on doit arriver à l'estimation de la performance de la coopération scientifique et technique à travers l'appréciation par ces deux cibles des critères de performance. Alors, je passe directement à l'analyse, à la présentation des résultats et discussion de l'application des méthodes bibliométriques à la coopération scientifique et technique du cas de l'INRA. Alors, à travers l'enquête, 119 chercheurs des 160 constituant l'échantillon cible ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 70%, 74%, pardon. Leur répartition par discipline fait ressortir trois disciplines prioritaires, à savoir les productions et biotechnologie végétale, avec 34% des chercheurs y étant affiliés, les ressources naturelles et environnement avec 18% et la protection des plantes avec 13%. Étant donné l'importance de la discipline production et biotechnologie végétale, on a développé un peu sa répartition par spécialité. On a trouvé que 42% des chercheurs répondants sont affiliés à la spécialité amélioration génétique et biotechnologie et 13% sont affiliés à la génétique et la cytogénétique. Les autres spécialités connaissent une affiliation allant de 10 à 2%. Pour préciser, les disciplines identifiées sont les disciplines qui sont en vigueur au niveau académique, c'est-à-dire à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Les spécialités, je me suis basée sur les spécialités autodéclarées par les chercheurs dans leur réponse au questionnaire. Alors, toujours dans l'identification des chercheurs ayant répondu au questionnaire, on note que 72% sont de niveau de formation doctorale et postdoctorale, 40% de docteurs, 29% de PhD et 3% de postdoc, les masters 5% et les ingénieurs 23%. Pour ce qui est de la répartition des chercheurs par établissement d'origine, 70% sont originaires de l'IAV Hassan II, 16% des universités nationales, 10% de l'ENA de Meknès et 4% des institutions d'enseignement supérieur étrangers. Pour ce qui est de la répartition des chercheurs par lieu d'obtention du doctorat, on note que 37% ont obtenu leur doctorat dans des universités nationales, 24% en Belgique, 16% à l'IAV Hassan II. Alors, on attaque maintenant les résultats de l'analyse quantitative des copublications. Je rappelle que le mode de compte utilisé est le compte de présence entre institutions, ce qui va donner des chiffres cumulatifs sur lesquels on va se baser dans le reste des calculs quantitatifs. Alors, ce compte va donner une idée sur la participation des institutions partenaires et non sur le nombre réel des publications. Donc, le nombre cumulatif global trouvé est de 4134, englobant 820 publications monocentriques, soit 20% monocentriques, c'est-à-dire en termes d'institutions, où les auteurs et co-auteurs sont tous issus de l'Institut national de la recherche agronomique. 3322 sont des copublications avec des partenaires, qui constitue 80%
Et la part des copublications en relation avec le programme de recherche institutionnel représente 48% avec un nombre de publications de 1980. On en déduit que plus des trois quarts des publications de l'INRA sont réalisées dans le cadre de la coopération scientifique et technique, mais près de la moitié des publications co-signées ne concernent pas le PRI et de l'INRA. Pour ce qui est de la répartition globale des copublications par type de partenaires, on va dire que les partenaires nationaux participent à 57% des copublications avec l'INRA, les institutions de pays partenaires à 33% des publications et les organisations internationales à 10%. Alors, toujours de manière globale, notons qu'au niveau national, les partenaires nationaux participent à 1886 copublications, dont 1105 relatives aux thématiques du programme institutionnel, soit 59%. Alors, au niveau de la coopération avec les institutions de pays partenaires, ils participent à 1098 copublications, dont 622 qui se rapportent aux thématiques du PRI, soit 57%. Et pour ce qui est des organisations nationales, ils participent à 338 copublications, dont 253 relative aux thématiques de recherche de l'INRA, soit 75%. Aussi, en termes de part des copublications, la participation des partenaires nationaux aux copublications de l'INRA représente un peu moins de 50%, plus exactement, c'est 45,6%. Les partenaires des institutions de pays partenaires participent avec un peu plus du quart, soit 26,6%, et la participation des organisations internationales ne dépasse pas 10%, à savoir 8,2%. Et la participation des trois catégories de partenaires au PRI de l'INRA est beaucoup plus faible, respectivement 26,7% pour les nationaux, 15% pour les institutions de pays partenaires et 6% pour les organisations internationales. Si l'on regarde de plus près la répartition des publications co-signées avec les partenaires nationaux, on remarque que l'IAVHSN2 est le premier partenaire national de l'INRA avec 309 copublications, dont 208 faisant partie des thématiques de recherche de l'INRA, soit un pourcentage de 67%. Suivi d'un certain nombre d'universités, on va retrouver l'École nationale d'agriculture de Meknès et l'INFI loin derrière les bon nombre, 8 universités. Pour la moitié des institutions partenaires enregistrent des parts de copublication co-signée inférieure à 1, ils sont indiqués en rouge. Part des copublications par partenaire national et la part des copublications par partenaire national se rapportant au PRI. À partir de là, on retrouve des parts qui sont inférieures à 1. Seules 4 institutions partenaires montrent une grande implication dans les thématiques relatives au PRI, à savoir celles qui sont surlignées, dont les proportions sont surlignées en vert. Il s'agit de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Abd Malik Saadi, Ibn Zohr et Shoaib Doukali. Les activités de recherche menées avec le groupe OCP ne concernent pas les thématiques du PRI de l'INRA. Avant de continuer, je vais noter une chose. Normalement, je n'ai pas indiqué ici toutes les institutions partenaires parce que j'ai considéré que je vais prendre en considération les instituts qui ont réalisé au moins une publication par année, soit 11 publications de 2008 à 2018. Les autres institutions ont réalisé moins, donc j'ai préféré les laisser en annexe. Pour ce qui est de la répartition des publications co-signées avec les institutions de pays partenaires, ici j'ai factorisé par pays. La France et la Belgique, premier et deuxième pays partenaires, ne participent aux copublications se rapportant au PRI, au PRI de l'INRA à hauteur d'un peu plus de la moitié. On note qu'en France, les institutions françaises participent à 315 copublications, dont 170 se rapportant au PRI, soit un pourcentage de 54%. La participation de l'Espagne aux copublications se rapportant au programme de recherche de l'INRA est la plus importante. Elle est de 250 copublications avec 147 se rapportant aux thématiques du PRI, ce qui donne un rapport de 73%. Le Canada, l'Australie et la Tunisie sont impliqués dans moins de la moitié des copublications se rapportant au PRI, sont surlignées en jaune. Alors, 9 des 14 pays partenaires enregistrent des parts de copublications inférieures à 1 et sont écrits en rouge.
Donc, on note que la France et la Belgique enregistrent des parts de copublication élevées, aussi bien au niveau de copublication en général que des copublications se rapportant au PRI. Alors, j'ai essayé un peu de voir comment se présente la concentration des copublications avec les institutions homologues, partenaires de l'INRA. On a trouvé que la plus forte concentration des copublications avec les institutions homologues de Belgique est de 15, ce qui veut dire que chaque institution partenaire de Belgique a publié en moyenne 15 publications, suivie de la Hollande avec 12 publications, la Jordanie 11 publications, la Tunisie 10 publications. Alors, pour ce qui est de ce ratio, il nous donne une idée sur la pérennité des relations de coopération scientifique avec ces institutions. Une concentration beaucoup plus faible est enregistrée avec les institutions françaises, 7%, ce qui dénote d'une certaine dispersion, diversification des partenaires, sachant que pour 315 copublications, le nombre d'institutions ayant participé est de 43, et ce qui donne une idée également d'une moins importante pérennité des relations de coopération scientifique et technique avec les institutions françaises. Pour aller plus loin, on a élaboré également une répartition des copublications avec les institutions partenaires. Il en est ressorti que l'Université de Liège est la première institution partenaire de l'INRA avec 69 copublications, dont 60 font partie des thématiques de recherche de l'INRA, soit un pourcentage de 87%. Et seules 4 institutions participent activement aux copublications relatives au PRI de l'INRA, à savoir l'Université de Liège, l'Université de Namur. Toutes les copublications avec cette université concernent les projets de l'INRA, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Lleida de l'Espagne. Alors, la participation de 8 des 18 pays aux copublications ne dépasse pas 40%. Le pourcentage relatif des copublications en rapport avec les pays, les PRI, est compris entre 5 et 40%. C'est les chiffres qui sont surlignés en jaune. Par ailleurs, la totalité des copublications co-signées avec le CIRAD, l'INRA de Tunisie et l'Université de Barcelone ne se rapportent pas du tout à des thématiques du PRI. Elles sont surlignées en rouge, c'est 0%. Et hormis le cas de l'Université de Liège et partiellement celle de l'INRA France, les parts de copublication co-signées avec les 16 autres institutions ne dépassent pas 1%. Les chiffres sont présentés ici en rouge. Quant aux organisations internationales, l'ensemble des organisations internationales partenaires de l'INRA sont en nombre de 20, mais seulement 4 qui ont publié un nombre de publications de 11 durant la période, d'au moins 11 durant la période 2008-2018. Ces parts de copublication présentent une disparité très nette. On voit que l'écart avec les parts des copublications les plus importantes et moins du quart ne concerne pas les thématiques du PRI. Donc, elles participent à 254 copublications, dont 179 se rapportent aux thématiques du PRI, avec donc un pourcentage de 78%. Et elle est la seule à avoir des parts de copublication élevées, 6% pour les copublications globales et 4,8% pour les copublications se rapportant au PRI de l'INRA. La totalité des copublications avec la FAO se rapporte à des thématiques du PRI de l'INRA, 100%, et la situation est quasi similaire avec le CIMIT, qui enregistre un pourcentage de 93% avec un total de 15 publications, dont 14 se rapportant au PRI. Ceci étant, on peut conclure cette partie quantitative en rapport avec les résultats obtenus. On a obtenu 7 résultats au total. Le premier résultat, qui concerne la part globale de la coproduction scientifique, qui est de 80%, nous permet de conclure que la recherche agronomique génératrice des connaissances et objet des publications scientifiques est menée en majorité dans le cadre de la coopération scientifique et technique. Pour ce qui est de la part de coproduction scientifique relative au PRI, qui est de 48%, on peut dire que plus de la moitié de ces actions ne concernent pas les thématiques du PRI. La participation des partenaires nationaux à plus de la moitié des copublications, et avec un peu plus du quart seulement, concerne le PRI de l'INRA, dénote d'une prédominance de la coopération scientifique nationale et de la participation des partenaires internationaux dans les activités de recherche se rapportant au PRI, beaucoup plus importante que celle des partenaires nationaux.
Ceci nous amène à dire qu'il y a un certain manque de coordination au niveau stratégique, puisque les partenaires nationaux devraient tous œuvrer vers le même objectif, à savoir la réalisation ou la participation au développement de l'agriculture nationale. Pour ce qui est de la prédominance de la coopération avec l'IAV HSN2, on peut dire que, étant donné que 70% des chercheurs ont obtenu leur diplôme à l'IAV HSN2, donc les réseaux de collèges invisibles constitués entre chercheurs et qui sont près des trois quarts des lauréats de l'IAV et les enseignants-chercheurs a joué beaucoup dans la réalisation ou le montage des projets. On note également que l'IAV, l'ENA, l'ENFI, sont placés loin derrière l'IAV et les universités, ce qui donne d'un manque de dynamisation du système national de la formation et de la recherche agricole, encore plus du consortium qui lie ces quatre institutions. Pour ce qui est des partenaires régionaux, on va dire que la moitié des pays de partenaires de l'INRA sont majoritairement des pays de l'Europe. Alors que les pays africains, exception faite de l'Algérie et de la Tunisie, et les pays arabes, à part la Jordanie, sont absents du paysage des copublications scientifiques, ce qui permet de conclure que la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud ne semble pas concerner les actions de recherche agronomique génératrice de connaissances scientifiques publiables, et que la participation des pays cités revient plus à la coopération dans le cadre de projets européens impliquant les pays des deux rives de la Méditerranée qu'à la coopération bilatérale. La forte participation des quatre universités belges aux copublications scientifiques peut être expliquée par la constitution de réseaux de collèges, dû au fait que près du quart des chercheurs de l'INRA y ont répondu au questionnaire et y ont obtenu leur doctorat. Pour ce qui est de la prédominance très marquée de la participation de l'INRA, pardon, de l'ICARDA aux copublications de l'INRA, ici également, c'est la loi des collèges invisibles qui a grandement facilité le montage des projets et le renforcement de la coopération, du fait que d'anciens chercheurs et notamment des retraités de l'INRA font partie des équipes de managers et de scientifiques récupérés par l'ICARDA, plus particulièrement après le transfert du siège du bureau de l'ICARDA au Maroc et l'installation de ces infrastructures dans les locaux de l'INRA. Ceci dit, pour les résultats de l'analyse quantitative par les méthodes bibliométriques, on passe à l'analyse qualitative de la coproduction scientifique et technique par les méthodes du TAL, c'est-à-dire les techniques automatiques du langage naturel. Trois résultats importants doivent ressortir de cette analyse. Il s'agit de l'identification des copublications sans duplicat, partant du fait qu'on ne peut pas traiter par les outils du TAL. Les copublications, les résultats obtenus par le compte de présence, on aurait des résultats erronés. Le deuxième résultat, c'est la représentativité des thématiques du PRI dans les copublications. Et le troisième résultat consiste à la détermination des thématiques prioritaires des collaborations scientifiques. Alors, pour ce qui est de l'identification des copublications sans duplicat, notons que le nombre total des copublications avec duplicat a atteint 3322 vu le mode de compte de présence choisi. L'analyse qualitative nécessite au préalable d'identifier le nombre total effectif des copublications sans duplicat. Une recherche des titres des copublications autodéclarées par les chercheurs dans les 10 sources d'informations bibliographiques identifiées a permis de dresser une liste globale des titres des copublications avec des duplicats obtenus et les nettoyer après avoir éliminé tous les duplicats. Le nombre total résultant de cette opération pour la période 2008 et 2018 est de 1070 copublications. Alors, ces 1070 copublications sont réparties comme suit au niveau de la figure à gauche de l'écran par année. On peut en ressortir que tout en enregistrant une tendance à la croissance, l'évolution du nombre d'effectifs des copublications a évolué en dents de scie durant la période 2008-2018, avec un pic important en 2018. Et pour la répartition par PRMT, on note également une augmentation croissante du nombre des copublications. Le nombre de copublications durant la mi-période du PRMT 2017-2020 a dépassé la moyenne des copublications en mi-période des deux PRMT précédents. Pour ce Excusez-moi, qui est de... docteur Hamid. Excusez-moi, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Je pense que ça est juste pour le prendre en considération. Merci. Donc, il reste 5 minutes, je passe directement à la conclusion générale.
Je prends en considération d'abord la représentativité des thématiques du PRI et dans l'éco-publication. J'ai dit qu'on a constitué trois corpus. 99,65% des données textuelles communes entre les corpus extraits respectivement des métadonnées des publications et du questionnaire dénotent d'une très bonne fidélité du self-reporting de la partie des chercheurs et 14,11% des données extraites des documents institutionnels sont communes à celles extraites des métadonnées, d'où que les publications des chercheurs de l'INRA portent majoritairement sur des thématiques qui ne font pas partie des PRMT. Je passe donc à la conclusion générale. La coopération scientifique menée à l'INRA permet-elle de faire face aux défis auxquels elle est confrontée? Si l'on considère que l'implication dans la recherche collaborative profitant plus à d'autres objectifs nationaux ou internationaux, qui ne sont pas nécessairement ceux du PRMT, il n'en demeure pas moins que le gain en renforcement des capacités des chercheurs reste positif. Pour le positionnement de l'INRA dans ses relations de coopération scientifique au regard de ses engagements avec l'État, les investigations menées font état d'un constat faiblement favorable et les acteurs nationaux sont moyennement satisfaits de la performance de la recherche collaborative menée au niveau national, mais la mise en application de la stratégie nationale au niveau opérationnel en termes de recherche agronomique a nécessité la mobilisation des ressources humaines aussi bien au niveau du contrat programme que dans la mise en œuvre de la stratégie nationale au niveau international. Les résultats obtenus aussi bien à travers les trois études permettent de conclure que les actions de recherche collaborative menées par l'INRA ne profitent pas dans leur majorité au PRI, objet des contrats de programme et par extension au développement de l'agriculture et de l'élevage national. Et merci. Donc, il y a la partie évaluation des performances qui n'a pas été détaillée. Elle peut être traitée dans la discussion. Merci. Merci Dr Hammi pour cette présentation très très intéressante. Il s'agit bien d'une analyse poussée de la collaboration, de la coopération scientifique et technique lors des dernières années. Et du coup, vraiment, c'est très intéressant. C'est comme un tableau de bord qui nous montre les fruits ou bien les résultats de cette collaboration. C'est très intéressant. Merci. Merci pour cette présentation. Et désolé de vous avoir interrompu pour manque de pas temps. Pas de problème, au contraire. Mais je pense que le débat, la discussion pourra apporter plus d'éléments pour les collègues qui en ont besoin. Et aussi, les gens peuvent vous contacter directement par la suite. Okay. Bon. Pour les questions, je n'ai pas encore de questions dans le chat. D'accord. Il y a un commentaire de Madame Mslik Habiba. Toutes les félicitations au Dr Hammi pour l'obtention de son doctorat avec une mention très honorable et pour sa riche présentation. Donc, il vous félicite, Madame Mslik Habiba. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, en fait. Oui. Voilà, qui constitue un peu le vif de la question posée ou bien de la problématique posée par cette thématique de recherche que vous avez menée. Comment expliquer que comment expliquer que la majorité des publications et des collaborations avec certaines institutions ne concernent pas le programme de recherche de l'INRA? Voilà, la méthode poursuivie est une méthode scientifique, c'est-à-dire je me suis basée sur les réponses des chercheurs qui ont donné les thématiques sur lesquelles ils travaillent. J'ai cherché pour la même population toutes les publications, toutes les copublications qu'ils ont réalisées à travers 10 sources d'informations bibliographiques. On a le programme réalisé, le programme informatique réalisé a permis de décortiquer les métadonnées, notamment les abstracts, la partie des mots-clés des métadonnées. Les mots-clés, les abstracts, les titres, et de ressortir les données textuelles significatives pour le domaine de la recherche agronomique. Donc, on a constitué les trois listes des données textuelles à partir des métadonnées des copublications, puis à partir des réponses des chercheurs, et ensuite à partir des documents institutionnels dont j'ai parlé dans l'exposé. On a comparé les trois corpus obtenus et on a trouvé la concordance de seulement 14,11% de données textuelles entre les publications des chercheurs
et les documents institutionnels de l'Iran. Donc, ceci ne dénote pas ou bien ne montre pas que les chercheurs de l'INRA ne travaillent pas sur le PRI. On ne peut pas. On part de cette conclusion seulement pour ce qui est de la copublication scientifique identifiée dans le présent travail de recherche et dans les écrits que je vous ai envoyés au départ de la tenue de l'enquête sur le terrain. Il s'agit des articles publiés dans des revues à comité de lecture, des articles publiés dans des revues sans comité de lecture, des ouvrages, chapitres d'ouvrages, des communications écrites et publiées dans les actes des congrès et les rapports scientifiques. Les chercheurs de l'INRA produisent d'autres produits. Moi, j'ai constitué toute la liste des produits que produisent les chercheurs de l'INRA. Je dirais qu'ils sont en nombre de 8 et chaque groupe de produits comporte un certain nombre de sous-produits que les chercheurs de l'INRA produisent. Donc, si vous voulez que je rentre dans ce détail, je peux le faire. Aussi, les chercheurs de l'INRA, à part la réalisation des activités de recherche dans le cadre des laboratoires ou des stations expérimentales, sont chargés d'au moins 8 groupes d'activités. D'activités qui participent également à la réalisation du PRI. Donc, le projet de recherche que j'ai mené, il concerne seulement la copublication scientifique. Non, mais j'ai compris. C'est juste pourquoi, quelle est l'interprétation? Pourquoi ces publications ne traitent pas les problématiques de recherche de l'INRA? Je pense que les activités menées par les chercheurs de l'INRA, soit ne s'apprêtent pas à la publication scientifique, par exemple le renforcement des capacités, notamment des pays d'Afrique, ou bien l'expertise auprès des professionnels, c'est des créneaux qui ne se prêtent généralement pas à la publication. Alors, la réalisation des plateformes, il y a une question sur le chat qui est un peu, que je trouve un peu liée personnellement, de Madame Hilali. Elle dit, par l'analyse des copublications, vous faites l'analyse de la coopération scientifique. Pour la coopération technique, généralement, il n'y a pas de publication scientifique, mais des rapports très utiles. Est-ce qu'il ne fallait pas les analyser aussi? Non, ils font partie de cette... J'ai donné la liste des publications prises en considération. Il s'agit des articles, des ouvrages. Les ouvrages concernent des fois la coopération technique, mais ils ne sont pas nombreux. Et il y a également les rapports scientifiques. Il y a des rapports qui comportent une partie de la coopération technique. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas pu éliminer et trancher, dire qu'il s'agit seulement de copublications scientifiques. OK. Il y a Mme Sanasbar qui veut intervenir directement. Elle a des questions, des commentaires. Madame Sana, vous pouvez y aller aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Hilmi, je suis ravie de vous revoir après tant d'années. On a eu l'occasion de se voir lors de la préparation de votre doctorat. Je vous félicite franchement pour la qualité du travail. Et je vais être un petit peu brève parce que le sujet m'interpelle personnellement en tant qu'ancienne directrice, je dirais, de la coopération scientifique et technique à l'IAV Hassan II, mais également parce que je travaille, moi aussi, je prépare un doctorat sur le sujet, mais vu d'un autre angle également. Là, j'aimerais, avant de poser ma question, réagir à la question de M. Badr Benjelloun, qui a parlé de pourquoi est-ce qu'on ne, les chercheurs de l'INRA ou là, en général, les chercheurs ne sont pas, ne font pas leur recherche dans un cadre bien précis, ici chez vous par rapport au PRMT, c'est parce qu'il faut étudier un petit peu les drivers de la production scientifique. Et un des drivers de la production scientifique qui est important dans notre pays, c'est la disponibilité de moyens financiers. Donc les chercheurs, et là je parle par exemple d'institutions qui ne disposent pas d'un budget recherche tel que l'IAV par exemple, on ne peut pas cadrer leurs recherches par rapport à des priorités nationales puisqu'ils sont soutenus
par des financements externes et des opportunités internationales qui eux-mêmes ont un agenda de recherche bien précis. Donc, les financements pourraient être un des drivers par rapport au topic de la recherche scientifique. Et là, je reviens, Madame Hemmi. Tout à l'heure, vous avez présenté le cadre juridique de la recherche agricole. Ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'un certain nombre de conventions qui sont signées, tout ça. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'on peut considérer ces conventions comme un cadre juridique à la recherche? Parce que qui dit cadre juridique dit une réglementation, on est un petit peu cadré, comme on vient de dire maintenant, par rapport aux orientations de ces publications. Toutefois, moi, à mon avis, je pense que non. On ne peut pas considérer que HEDO, c'est des cadres juridiques pour la recherche agricole, parce que le chercheur, il demeure libre de travailler sur des choses. Et d'ailleurs, nous ne disposons pas d'un comité national d'éthique. Et les chercheurs, ils peuvent travailler sur des choses en dehors même de certaines réglementations. Par exemple, vous avez le protocole de Nagoya, même si le Maroc adhère à ce protocole, mais on trouve que les chercheurs, moi personnellement, j'ai vu des chercheurs avec un sac de semences, les atténons, un Français, les Kaimchi, son travail en France. Donc, vous voyez, par rapport au matériel végétal et tout ça. Donc, à mon avis, on ne peut pas considérer, mais vous me corrigez si c'est le cas, que la recherche a un cadre juridique, d'autant plus au Maroc. Comme on sait, on n'a pas une loi sur la recherche, on n'a pas mal de choses. Alors, c'est intéressant quand je compare vos résultats par rapport à ceux que j'ai moi-même. Moi, j'ai travaillé sur une étude bibliométrique de la recherche agricole marocaine, mais en se basant sur Scopus, sur les données Scopus. Et là, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux premiers pays qui ressortent de votre travail en termes de collaboration et du mien. C'est vrai que la France vient en premier, mais après, moi, je n'ai pas la Belgique. J'ai d'autres pays tels que les États-Unis, tels que l'Italie, et qui viennent en positionnement. Donc, ça nous un petit peu questionne sur peut-être que les publications indexées sur des grandes bases de données, on cherche plutôt à s'associer à un certain nombre. En fait, c'est un sujet à réfléchir, à investiguer par la suite. Vous avez dit vous-même que vous avez établi plusieurs corpus et c'est intéressant en fait de faire la distinction parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer un petit peu et regrouper ces corpus-là, puisque la valeur d'une publication scientifique dans une revue indexée n'est pas la même qu'un rapport d'évaluation de la coopération internationale. Donc là aussi, je pense qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport à ce thème-là. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas vraiment noté, mais c'est très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour ces résultats. On manque énormément d'indicateurs. Et je dis toujours que moi-même, ayant occupé des postes de responsabilité, aussi bien au ministère de l'Enseignement supérieur qu'ici à l'IAV, parfois, on fait un management de recherche sans vraiment se baser sur des études très poussées par rapport aux métriques de la science, etc. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et puis, je vous souhaite bon courage et on souhaiterait bien que vous partagiez avec nous aussi bien votre document, parce que j'en aurai besoin pour le citer dans les travaux futurs. Et puis, voilà, merci encore. Merci, madame Zbar, pour votre intervention. C'est important. Je donne la parole à madame Hamni pour... Pour la première question, c'est-à-dire ce qui concerne le cadre juridique, merci d'abord, Madame Zbar, pour votre gentille intervention. Alors, pour ce qui est du cadre juridique, en effet, les chercheurs sont, normalement, ils doivent toujours avoir l'esprit libre pour pouvoir innover et créer. Mais au niveau international, les instances, c'est-à-dire les pays développés avec les instances qui les soutiennent, ont instauré un cadre institutionnel mondial appuyé par le cadre juridique.
En effet, ce cadre juridique, il concerne la coopération scientifique internationale. C'est-à-dire, c'est des normes que l'on doit respecter quand on est en train d'élaborer des accords avec les pays développés, notamment les pays de l'Union européenne, les États-Unis, etc. Mais au niveau national aussi, il y a un cadre juridique adapté, mais qui va avec, qui essaye d'être mis à niveau avec le cadre juridique international. Au niveau national, je vais donner un exemple, parce que je n'ai pas tout cité, parce qu'il y a beaucoup de textes. Par exemple, il y a une loi au Maroc sur l'agriculture qui interdit l'agriculture hors sol. Alors, ils interdisent l'agriculture hors sol, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur l'agriculture hors sol. Donc, le cadre juridique reste un cadre qu'il faut respecter. Vous pouvez, s'il vous plaît, me transmettre les références, parce que je suis très étonnée moi-même. J'ai travaillé sur l'hors sol il y a 20 ans de ça. Bah, il est interdit au Maroc, par derrière. Oui. Donc, pour ce qui est du cadre juridique, la parole par la suite, Madame Zbar. Donc, pour moi, le cadre juridique que j'ai présenté brièvement, c'est le cadre juridique de la coopération internationale, parce que nous sommes toujours appelés à travailler sur les défis globaux qui concernent plus particulièrement le domaine agricole et environnemental. Ça engage les États, ça engage les accords, notamment qui passe par le ministère des Affaires étrangères, mais les chercheurs au niveau de l'INRA travaillent d'une manière, je pense, libre en fonction des moyens dont ils disposent. Pour ce qui est des études bibliométriques, oui, j'ai lu votre article, mais pareil à beaucoup d'articles que j'ai lus, les études bibliométriques sont soit basées sur les données de Web of Science, soit basées sur les données de Scopus, soit les deux. Généralement, ces sources d'informations bibliographiques comportent beaucoup de biais, les biais linguistiques, les biais disciplinaires, les biais des orientations de la recherche qui sont ceux des pays mainstream. Alors moi, il faut être publié dans des revues indexées, notamment pour Web of Science. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la copublication ou la qualité de la copublication. Ce qui m'intéresse, c'est d'identifier les partenaires effectifs de l'INRA. Donc, les partenaires effectifs de l'INRA dans les projets de recherche en collaboration. Donc, ils peuvent faire l'objet de publications aussi bien dans des revues indexées, non indexées, rapports scientifiques locaux, etc. Un rendu dans le cadre d'un projet de recherche. Pour ce qui est des corpus, alors cette constitution de corpus est une opération très compliquée. Les métadonnées utilisées des copublications des chercheurs et constituées des éléments textuels de la notice bibliographique, c'est-à-dire il y a le résumé, l'abstract, le titre textuel et les mots-clés. Alors, ils sont collectés pour chaque article à travers les 10 sources d'informations bibliographiques identifiées, à savoir Agris, Agricola, Scopus, Doage, WordCat, Synapse, Google Scholar, Mendeley et ResearchGate. Donc, 10 sources d'informations pour pouvoir recouper toutes les copublications possibles, publiées dans des revues indexées ou non publiées dans les revues indexées, et puis classées dans un programme informatique, c'est-à-dire en CVSV. Et parallèlement, on a fait la même chose pour les données recueillir des questionnaires des chercheurs et la même chose pour les documents institutionnels relatifs aux recherches, à la recherche agronomique menée par les chercheurs. Alors, la comparaison de ces trois corpus qui a donné une identité quasi totale des deux corpus issus des copublications et des questionnaires et une disparité grande par rapport aux documents institutionnels. Ceci ne dénote pas d'un manque de réalisation dans le cadre des résultats ou bien des activités de PRI, partant du fait que le PRI est réalisé non seulement à travers les publications scientifiques en collaboration, mais à travers 8 autres activités des chercheurs, dont l'élaboration des plateformes, la coopération technique pour le renforcement des capacités, l'élaboration des logiciels, la participation au comité de lecture des revues internationales, etc. Il y a beaucoup d'activités qui participent à la réalisation du PRI. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci, Madame Hammi. Je vois votre main, Madame Zbach. Encore. Je l'avais mise tout à l'heure. Non, vous voulez?
Si vous voulez intervenir, je peux vous redonner la parole parce que vous avez des commentaires tout à l'heure. Oui, je vais juste... Oui. Je vais la désactiver, elle était posée depuis tout à l'heure. En tout cas, je veux juste remercier Madame Hemi. C'est immense, vraiment, le travail. J'imagine, moi, je travaille juste sur des corpus, c'est-à-dire qui sont extraits de Scopus. Et déjà, ça me donne mal à la tête. Donc, j'imagine, vous, avec les dizaines de sources, c'est vraiment énorme. Je voudrais aussi juste profiter pour dire, dernièrement, j'ai analysé la revue marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires, la revue qui est éditée par l'IAV, justement pour essayer de voir un peu son impact et sa visibilité par rapport aux co-auteurs internationaux. Et je trouve que c'est vraiment dommage, cette tendance que même les autres pays en voie de développement font, c'est-à-dire on encourage un peu nos chercheurs à publier dans des journaux à impact facteur assez élevé et on délaisse un petit peu les revues nationales qui sont très importantes à encourager pour la recherche nationale, quoi. Donc, c'est, vous aussi, vous avez une revue au niveau de l'INRA. C'est vraiment très important que le Maroc investisse dans les revues locales. Voilà, merci beaucoup. Ben merci, Madame Zbar, pour votre intervention. On aimerait bien, une fois que vous aurez terminé votre travail, nous faire un webinaire que je trouve, en tout cas, d'après la thématique, et les outils que vous avez mentionnés, c'est très complémentaire avec ce qu'a fait Madame Hammi et ça, il aura un grand intérêt, une grande importance pour nous, pour la visibilité de notre coopération, pour élaborer aussi des stratégies pour la suite, comment aller dans un sens ou un autre, etc. Merci. Répliquer sur, juste commenter ce que vous avez dit sur l'éloignement des, bien, le fait qu'il n'y a pas que les publications, les copublications avec des institutions autres que l'INRA ne concernent pas forcément le programme de recherche de l'INRA. C'est vrai ça, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut améliorer le lien entre les programmes de recherche de nos institutions nationales et les programmes de recherche internationaux ou bien qui reçoivent plus de fonds d'investissement pour essayer de rapprocher les deux grands aspects, ces deux éléments, le programme de recherche interne et les programmes généraux qui drainent plus de fonds. Bon, moi, je dirais d'abord pour l'INRA. L'INRA est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et les contrats de programme qui lient l'INRA au gouvernement, il y a lieu d'appliquer la politique nationale dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Alors, l'INRA, en priorité, devait se focaliser sur la réalisation ou bien la mise en œuvre des contrats de programme. C'est par ailleurs, une parenthèse, c'est la recommandation depuis toujours de la Cour des comptes pour l'INRA. Mais le problème ne concerne pas l'INRA. On ne peut pas réaliser un programme d'une telle ampleur sans l'intervention des partenaires. Ce programme a été conçu en collaboration avec les partenaires nationaux et concerne le contexte national. Par ailleurs, les pouvoirs publics, de par la politique de coopération internationale du Maroc, présentent des lacunes. La première, c'est la priorité est donnée à la coopération technique. Et les chercheurs de l'INRA sont vraiment absorbés dans ce contexte. Je vous rappelle l'implication des chercheurs de l'INRA, notamment ceux qui travaillent sur le sol au niveau de l'Afrique pendant toute la période de 2008-2018 et qui ont été absorbés par la participation à la mise en œuvre de cette politique qui est la priorité de l'État marocain. Donc, au détriment, bien sûr, des autres doléances nationales.
Pour ce qui est du pays, il est également tenu de respecter et d'appliquer les accords qu'il a signés, aussi bien avec l'Union européenne et avec d'autres pays. C'est des accords stratégiques auxquels l'INRA devrait participer pour se positionner par rapport aux autres États. Donc, avec le nombre de chercheurs restreint au niveau de l'Institut national de la recherche, les mêmes équipes, avec le manque de recrutement, avec les masses critiques qui ne sont réalisées nulle part, alors ces mêmes chercheurs sont sollicités sur les problématiques internationales. Et le Maroc ne veut pas passer à côté de la participation à la résolution des problèmes globaux. Donc, c'est le chercheur qui est pris en étau, parce qu'une fois vous engagez dans un projet européen ou dans le cadre de projets avec la FAO ou avec d'autres organismes, vous êtes tenu d'appliquer les accords à la lettre et donc obligatoirement au détriment de ce qui est national. Merci. Je aussi, vois. Pardon, je n'ai pas terminé. Et pour ce qui est également dans le cadre national, si vous voyez d'une manière très proche les contrats de programme pluriannuels sont basés pas sur la coopération, pas sur la recherche scientifique, mais sur la recherche et développement. Donc, au niveau de la recherche et développement, on est plus axé sur le terrain que sur la publication. Donc, il y a un problème. J'ai dit qu'il y a une certaine coordination au niveau national, au niveau stratégique qu'il faut étudier. Et ce n'est pas une question du niveau opérationnel. Mais il y a des thématiques, en tout cas, qui intéressent le monde entier, qui sont d'actualité, qui intéressent aussi le secteur agricole national. Et je pense que ce rapprochement pourrait avoir lieu. C'est important parce que les publications scientifiques assurent la qualité des recherches réalisées, et surtout les publications de grand impact, etc. Je donne la parole directement à M. Fawzi Bkawi, directeur de l'INRA. Monsieur le directeur, M. Bkawi. Merci, M. Mjelloun. Tout d'abord, mes félicitations à Dr. Hemmi Fatema, qui a soutenu avec succès son doctorat. Elle m'en a parlé quand j'ai rejoint l'INRA et je l'ai encouragée et je la félicite maintenant. Deuxièmement, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu assister à toute la présentation. J'étais pris par d'autres réunions, donc ma question peut-être elle a été adressée. Mais ce que j'ai remarqué, c'est vous avez présenté beaucoup de données et beaucoup de données sur les publications. Alors ma question, est-ce que vous-même vous avez publié et où? Et sinon, pouvez-vous publier un article de synthèse, parce que vous avez présenté beaucoup de nombres, beaucoup d'informations, un article de synthèse relativement court et je vous encourage à le soumettre soit à Freemed, soit au journal de l'IAV. Madame Sana a mentionné leur journal. Je suis d'accord pour encourager les journaux marocains. Bien entendu, il faut aller vers l'indexation. Hein. Les journaux marocains, il faut les indexer. Hein. Si on veut qu'ils soient... qui devient qu'on y publie, il faut les indexer et il faut la qualité. Voilà, encore une fois, madame, mes félicitations et désolé de n'avoir pas pu assister à toute votre présentation et bonne continuation. Merci. Merci, Sibkawi. Je vous en prie. Oui, allez-y, docteur. Voilà, pour ce qui est de la publication, effectivement, je suis en train de, pour ma partie, de la publication, elle est déjà réalisée, mais il s'agit d'une copublication avec un doctorant de Télécom Paris-Tech qui a réalisé les codes informatiques pour l'extraction des données textuelles des sources d'informations bibliographiques. Donc, le doctorant est pris et j'attends qu'il réalise sa partie. Pour ma partie, elle est déjà prête, mais on attend. Je vous remercie également, M. Bekaoui. Et vous allez publier où? Je n'ai pas encore fixé, mais j'attends que la personne qui a réalisé les algorithmes soit D'accord. disponible pour rédiger sa partie. Vous avez l'objectif, c'est une sous-publication à partir de vos thèses ou plus d'un article? Je n'ai pas eu l'occasion, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas. J'ai synthétisé au maximum, mais le sujet est grand. Alors, la partie qui a été présentée, c'est la partie de l'analyse
quantitative et qualitative par les techniques aussi bien bibliométriques que du traitement automatique du langage naturel. C'est cette partie qui concerne les algorithmes. Mais il y a la partie de l'évaluation des performances où il y a beaucoup de résultats issus des questionnaires adressés aux partenaires de l'INRA et aux instances de gouvernance. Donc, il y a deux composantes qui peuvent faire partie, qui peuvent faire l'objet de deux copublications. Très bien, merci beaucoup. Bon continuation. Merci beaucoup. Merci. Je passe à une autre question de Marie, qui voit que la collaboration scientifique et technique passe aussi par les appels à projets, les soumissions de projets suite aux appels à projets, aux grands appels à projets. Il a parlé d'Horizon 2020, bien sûr, il y a Horizon Europe qui commence, il y a Prima et autres. Qu'en est-il de ces aspects de collaboration? Est-ce que vous ne les avez pas inclus dans... Ici, parce que moi, ce que j'ai inclus, c'est les données déclarées, auto-déclarées par les chercheurs. Ils comportent également les copublications issues des projets réalisés avec les instances de l'Union européenne. Vous l'avez vu dans la figure qui concerne la coopération avec les organisations internationales, qu'il y a un certain nombre de copublications avec les instances de l'Union européenne. Il y a également les pays européens. Par la même occasion, je souligne qu'il n'y a pratiquement pas de coopération bilatérale. Et que par le fait que j'ai adopté le compte de présence entre institutions, j'ai fait ressortir les pays et les institutions, mais la majorité, c'est-à-dire 87% des copublications, sont faites dans le cadre multilatéral. La majorité sont faites dans le cadre multilatéral, et pour les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays européens, les pays africains comme l'Algérie, la Tunisie, les pays d'Asie, les projets qui sont issus de ces copublications sont des projets réalisés dans le cadre des projets européens. Il n'y a pas de coopération bilatérale avec la Tunisie qui a donné lieu à des copublications scientifiques. Il n'y a pas de coopération avec la Turquie ni avec les autres pays. Ces pays ont copublié avec l'INRA dans le cadre de projets européens. D'accord. Il y a Mme Sana qui commente sur ça et qui a peut-être des données sur la participation marocaine par les institutions au programme européen. Vous avez des éléments à nous donner, résumé, Mme Zbar? Oui, si vous permettez. Oui, oui, oui. Oui, ben, est-ce que c'est possible en trois rapidement. Minutes? Oui, comme j'étais le point de contact national pour les programmes européens, donc je dispose de toutes ces données, il n'y a aucun souci, j'ai une analyse très détaillée de qui participe avec quoi, qui sont les institutions marocaines et non marocaines qui sont impliquées dans les projets européens, aussi bien pour la thématique agriculture que pour les autres thématiques. Il y a aussi autre chose que Mme Hamia a dit, c'est la coopération bilatérale. Et comme vous le savez, il y avait un grand programme avec la France qui était très important pour la recherche agricole qui s'appelait le PRAD et qui est devenu actuellement le TOPREL. Et récemment, j'ai essayé d'approcher ce programme-là pour faire une évaluation d'impact sur les publications scientifiques. Et j'ai trouvé que j'ai fait aussi un questionnaire auprès des chercheurs qui étaient impliqués dans PRAD et TOPREL. Et il y a franchement pas mal de choses qui sont sorties de ces programmes-là au niveau bilatéral. Peut-être juste que les chercheurs ont omis de mentionner le programme HEDA lors du questionnaire que vous avez envoyé, peut-être. Alors, merci. Parfait. Je mentionne votre commentaire précédent, qui est une recommandation d'inclure les indicateurs ressortis, peut-être par la thèse de Mme Hammi, pour orienter la feuille de route recherche dans la génération, dans la stratégie Génération Green en matière de gestion de recherche agricole marocaine. Oui. Oui, oui, c'est important, bien sûr, c'est très important. Vous permettez, docteur Benjelloun. Oui, allez-y, docteur. Pour ce qui est de la coopération bilatérale, exactement, le chiffre que j'ai pour la coopération multilatérale, c'est 87%. En effet, c'est 87% de coopération multilatérale. Le reste, c'est la coopération bilatérale. Donc, il y a également l'effet de la population qui a répondu au questionnaire. Donc, il y a les deux.
Donc, il n'y a pas absence de coopération bilatérale, mais pour les données que j'ai, 87% des copublications sont issues de la coopération multilatérale. Le reste concerne la coopération bilatérale et nationale. D'accord. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une autre question. Ça m'a interpellé un chiffre. Avec la France, vous avez mentionné qu'il y a 315 publications. Et le nombre d'institutions, il y avait 43 institutions. Oui. Vous dites quoi par institution dans ce cas? C'est des unités, des laboratoires ou bien les grandes institutions, universités, CNRS, etc. Pour moi, j'ai rapporté les intitulés des institutions autodéclarées par les chercheurs. Au total, le nombre des institutions autodéclarées, globalement, c'est 201 institutions étrangères avec lesquelles l'INRA collabore. Mais celles avec qui la production a atteint au moins 11 copublications durant la période d'investigation fait de la France la première institution, le premier pays dont les institutions ont publié avec l'INRA dans le cadre de collaboration avec 43 institutions. Donc, les données sur les institutions, je peux les partager par la suite. Non, est-ce que ces institutions, c'est des... Non, parce qu'on sait comment c'est structuré. Peut-être un laboratoire, pour certains, c'est une institution. Mais moi, je vois que 43, c'est un peu un chiffre, voilà, élevé par rapport au nombre d'institutions qui se trouvent en France actuellement. Si on prend les grandes institutions. Non, parce qu'après, il y a eu la conclusion, à partir de ce chiffre, vous avez donné la conclusion qu'il n'y a pas de continuité de collaboration entre les Non, la pour ce conclusion type a de été donnée coopération. à partir de la concentration des copublications, de la moyenne de concentration des copublications par institution. Alors, si vous avez remarqué dans la figure que j'ai présentée, on a trouvé que pour la Belgique, il y a eu entre 2008 et 2018 une moyenne de 15 copublications par institution. Alors que pour la France, il y avait une moyenne de 7 copublications par institution. Non, Donc, c'est de mais... là que j'ai ressorti qu'il y a une pérennité avec les institutions belges par rapport aux institutions françaises, d'autant plus que le nombre d'institutions belges est beaucoup plus faible que celui des institutions françaises. Non, mais j'ai compris ça, sauf que, par exemple, vous avez 7 publications pendant toute la période par institution, c'est ça? Oui. Pour la France. Et si l'institution n'est autre que qu'un laboratoire qui peut changer de nom, etc. Et on a dans ce cas, par exemple, sur le papier, on a 3 institutions, alors que finalement, il s'agit d'un seul institution. Pour les institutions, je me suis basée sur les questionnaires, c'est-à-dire les données sont autodéclarées par les chercheurs. D'accord. Oui, ok, mais très bien. Yam Siramare qui donne un commentaire aussi et qu'il dit que ça serait bien de faire une typologie avec des chapeaux comme des typologies de collaboration, bien sûr, scientifique et technique, avec des chapeaux comme l'élaboration de projets, publication d'articles, publication de livres ou chapitres, les échanges de matériaux, etc. Ça, c'est pour la suite. Peut-être c'est la continuité de ce travail. Ça peut être très intéressant. Il dit aussi que le sujet est intéressant et peut faire l'objet d'une analyse économétrique par l'application de modèles d'évaluation des connaissances dans le cadre de la collaboration scientifique. Ça aussi, c'est important. C'est une piste d'amélioration, je trouve. Vous voulez commenter, Madame Hamid? Oui, à travers, c'est-à-dire je veux ajouter, je suis d'accord avec Séamaré, je veux ajouter seulement qu'à travers les faiblesses relevées dans le cadre de ce travail de recherche, j'ai ressorti au moins trois perspectives de recherche dans ce domaine qui sont en relation avec la recherche agronomique. Le manque de coordination au niveau stratégique, c'est-à-dire pour redynamiser le système national de la formation et de la recherche. C'est un sujet qui peut faire l'objet d'une étude pour pouvoir renforcer cette orientation stratégique du ministère de l'Agriculture. La finalité de la recherche agronomique est de produire des technologies en vue de participer au développement économique national.
l'impact de la durabilité des effets économiques de cette recherche et ses retombées sur les groupes sociaux concernés pourrait être également l'objet d'un important thème de recherche en évaluation de politique publique. Il y a également, moi je me suis basée sur les critères de base de l'OCDE qui ont été appliqués par le FIDA, qui ont été utilisés par le FIDA, qui en a ressorti un guide, mais elle comporte d'autres indicateurs, d'autres critères qui peuvent être bien, qui peuvent, s'ils sont adoptés, donner un travail de recherche beaucoup plus évolué. Moi, mon travail de recherche, il a été basé sur le critère de copublication et sur l'appréciation des 5 critères de performance au lieu de la mesure d'indicateurs de performance du fait que de la contrainte du manque d'accès à l'information relative à la fois aux inputs et aux outputs. C'est dommage parce que dans une situation beaucoup plus favorable, la même thématique de recherche inclurait tous ces éléments et donnerait lieu à un travail de recherche dans ce domaine beaucoup plus objectif et complet. Donc, ces 3 créneaux peuvent faire l'objet et surtout l'impact économique des technologies produites par l'INRA. Parfait. Ben, il y a Mme Zbar qui commente à M. Lamari, sur le commentaire de M. Lamari. Il a dit, dans le cadre du programme ARIMNET, une publication future présentera les outputs de recherche dans le cadre de ce programme, par type article, chapitre de livre, brevet, etc. Donc, vous pouvez prendre contact avec Mme Zbar pour avoir plus d'informations sur cette future publication. Et Madame Zbar, une fois publié, vous pouvez nous donner. Merci de partager avec nous l'information. Alors, il y a un autre commentaire, Madame Sleg. Elle a une question. À partir de l'évaluation menée par vous, Dr Hemmi, quel est l'impact donc de la coopération sur la recherche agricole en général et quelle orientation pour la coopération menée par l'INRA dans l'avenir? Ben, rapidement, si vous pouvez répondre, Madame Hami, parce qu'on touche là à la fin du. Ben, on a épuisé le temps réservé à celui. D'abord, le premier impact de la coopération scientifique et technique sur la recherche agronomique à l'INRA, avec les 2 composantes nationales et internationales, c'est le renforcement des capacités de l'INRA, c'est-à-dire le renforcement des capacités des chercheurs de l'INRA et donc des capacités institutionnelles a été très positif. Pour ce qui est des résultats de recherche, en effet, l'INRA a profité des résultats de recherche relatifs aux effets, aux problèmes globaux, mais elle a fait également profiter les instances de l'Union européenne. La troisième chose que je voulais dire, c'est que la recherche, moi j'avais au départ, franchement, je me disais que nous n'avons pas les moyens au Maroc, que le PIB a affecté à la recherche agronomique est de 0,4%. Donc, les chercheurs de l'INRA, ça ne va leur permettre même pas de se documenter et d'être à jour sur les innovations et les créations au niveau international. Mais quand j'ai examiné de près les publications de l'INRA, des chercheurs de l'INRA dans les bases de données internationales, j'ai trouvé que, effectivement, les chercheurs de l'INRA sont bien positionnés et ils sont reconnus au niveau international. Donc, c'est l'un des impacts concernant de la coopération scientifique et technique. Aussi, une externalisation de l'expertise de l'INRA. On remarque que les chercheurs de l'INRA, une fois leur parcours à l'INRA terminé, ils sont exportés dans les organisations internationales et dans d'autres instances. Donc, autant de côtés positifs. Mais il faut marier les 2 composantes pour qu'il y ait une synergie au niveau national et que les impacts soient encore plus importants au niveau national. Merci, Madame Hamid. En tout cas, c'est un sujet très, très intéressant qui interpelle tout le monde et on peut rester là, débattre pendant toute la journée. Mais pour manque de temps, on arrête là cette conférence. À la fin de cette conférence, de ce webinaire, je voudrais mentionner que le prochain webinaire est prévu dans 2 semaines, à la même heure, bien sûr,
Ma collègue Boutaina va partager avec nous le flyer du webinaire prochain. Il sera intitulé « The Analysis and Role of Epigenetics in Livestock Breeding ». Il sera donné par Alessandra Stella, c'est une senior scientist, chercheur principal au Centre national de la recherche en Italie, le CNR, et aussi c'est la scientifique leader de Milan Innovation District. Merci Madame Boutaina pour le partage. Alors, je voudrais aussi mentionner qu'à la fin du webinaire, vous recevrez un questionnaire très court de 3 questions, en fait, pour connaître votre évaluation de cette série de webinaires en général, de ce webinaire d'aujourd'hui aussi. Merci de le remplir, il sera très utile pour nous. Docteur Hammi, à la fin, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais seulement parler d'une petite nostalgie. Alors, quand j'ai été recrutée à l'INRA, j'ai trouvé des administrateurs au poste de responsabilité et des ingénieurs qui sont également des managers dans les postes de responsabilité, et tous publiaient des documents sur la gestion de la recherche agronomique. Alors, je me rappelle de l'inspecteur général qui était durant la première période de mon recrutement, c'est Feu Moha Wali Khtouch. Alors, le premier document que j'ai lu, c'est un document qu'il a publié sur l'institutionnalisation de la recherche agronomique au Maroc, de la recherche agronomique donc pour l'INRA. S'en est suivi plusieurs documents. Aussi des ingénieurs qui étaient chercheurs et qui ont par la suite occupé des postes de responsabilité et qui ont publié dans le cadre de leur mémoire pour avoir le grade d'ingénieur en chef, des mémoires qu'on peut qualifier au niveau de thèse sur le management de la recherche agronomique. Donc actuellement, cette pratique s'est estompée ou bien s'est déperdue. Mais j'aurais aimé que l'INRA retrouverait ce temps où non seulement, parce que la gestion de la recherche d'une grande boîte de recherche agronomique ou d'une grande boîte de la recherche scientifique ne peut pas être soumise au style de management d'une administration publique. Pour que les chercheurs soient créatifs, pour qu'ils soient libres d'innover, il faut trouver des systèmes de gestion adéquats de la recherche, et donc même le management de la recherche doit faire toujours l'objet de recherches et de publications. Un manager dans une boîte de recherche agronomique ne va pas normalement se contenter de l'application des procédures administratives et d'être à chaque fois roué de critiques de la Cour des comptes, mais lui laisser la libre initiative pour innover en management de la recherche. Et merci. Merci. Au nom des organisateurs aussi, je vous remercie pour toutes les informations que vous avez partagées, c'est très utile. J'aimerais aussi également mentionner et remercier mes collègues organisateurs, Boutaina Abidou, Othman Sbatar, Dati Razi, Abdelaziz Yassri. Je remercie aussi Monsieur le directeur de l'INRA pour leur contribution, encouragement pour l'organisation et la réussite de cette série de webinaires. Rendez-vous dans 2 semaines, on se voit, Inch'Allah. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.